Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir, au nom de Lina, de vous accueillir pour cette deuxième séance de notre cycle de lundi de Lina, euh, consacré à l'histoire des femmes, des luttes des femmes et des féminismes. Donc Après Geneviève Fraisse, qui a inauguré ce cycle le mois dernier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bibia Pavar. Merci à elle qui va donc nous parler de la médiatisation de l'avortement. Euh, Bibia, et... Bibia Pavar est maîtresse de, de conférences, vous avez tous son CV, à l'Institut français de presse de l'Université Paris-de-Panthéon Assas, membre junior de l'Institut numérique de France et euh, surtout de plus en plus connue pour ses publications, notamment la dernière, donc Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, coécrit avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, qui est parue l'année dernière à La Découverte et dont on parle beaucoup bien euh, et qui va nous, nous nous parler ce soir de l'avortement à la télévision donc euh, euh, puisque la télévision quand elle naît dans les années 50 euh, se développe dans un contexte où l'avortement est encore tabou il est même il est interdit d'en parler il est même interdit de parler de contraception à l'époque c'est dire et donc euh, on est parti un peu de l'idée que la télévision forcément avait été contrainte dans la médiatisation du sujet. On va voir que, comme toujours, l'histoire, c'est une histoire qui est complexe, l'histoire de la médiatisation de l'avortement, avec des, des gens qui ont osé dire des choses, montrer certaines choses. Voilà, Vivien va nous expliquer tout ça. Euh, donc, on va se consacrer à, voilà, à un travail de réflexion sur la, cette notion de tabou. De l'avortement et puis des luttes, toutes les luttes qui ont eu lieu autour aussi de cette thématique. Je vais tout de suite laisser la parole à Bibia Pavard. Je voudrais très rapidement remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de ce lundi de l'INA Catherine Gonard à la coordination, Rachel Deneu et Lara Bouchereau. Pour les recherches documentaires, Jean-Michel Briard pour le montage, Elodie Roblin et Hélène Lavizet pour la logistique. Et puis, je ne reprendrai pas la parole à la fin de la soirée, donc je vous dis dès maintenant que nous vous invitons également à la prochaine séance du cycle qui aura lieu le 8 novembre. Nous recevrons la réalisatrice Amandine Gay qui viendra nous parler de l'adoption et de toutes les. La manière dont cette thématique interroge les rapports de genre, les rapports de race aussi. Voilà, ça, ça sera donc le 8 novembre. Mais tout de suite, donc, Bibia Pavard, je te laisse la parole pour euh, jusqu'à à peu près 8h15. Merci. Merci beaucoup, Géraldine. Euh, je comptais, moi aussi, remercier toutes les personnes qui ont été citées. Donc, merci de l'avoir fait. Je suis vraiment ravie de, de pouvoir vous présenter euh, cette, ce petit parcours aujourd'hui au sein des, des archives de l'INA, parce que euh, j'ai réalisé donc ma thèse sur les questions de contraception et d'avortement il y a un petit moment maintenant, le temps passe vite, et euh, je, je m'étais plongée à ce moment-là pour, pour ma thèse dans ces archives qui m'avaient véritablement passionnée. Euh, et donc c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir partager cette, cette passion avec vous. S'intéresser à la manière dont l'avortement a été médiatisé à la télévision française permet de plonger au cœur d'une grande question, qui évidemment n'a pas de réponse simple. Comment advient le changement social, culturel et politique dans une société donnée et surtout quel rôle les médias peuvent avoir dans ce processus Ce que l'on va voir lors de ce parcours qui commence au milieu des années 50 et va jusqu'à nos jours, en hein, 2017, c'est qu'il y a d'intenses transformations de la manière de médiatiser cette question, ce débat sur l'avortement. Euh, et donc ce qui va nous intéresser, c'est justement les, les acteurs et les actrices plus particulièrement de, de, ces, de ce changement. Ce parcours au sein des archives de l'INA, il commence dans les années 1950, dans un après-seconde guerre mondiale pétri de contradictions. Les femmes ont enfin obtenu le droit de vote après un combat de plus de 60 ans. Le baby boom bat son plein et la politique nataliste valorise les mères de famille. Simone de Beauvoir a fait scandale et a connu le succès en publiant Le deuxième sexe en 1949. Et dans ce contexte-là, euh, voyez, qui, euh, qui est un peu tendu autour de, de ces questions de la place et de la condition des femmes dans la société française, de nouvelles voix s'élèvent contre la fameuse loi de 1920 qui a été évoquée par Géraldine Pouls, qui régit donc à la fois la contraception et l'avortement. La loi interdit à la fois la vente et la publicité pour les produits contraceptifs, et ainsi que la pratique des avortements et toute propagande anticonceptionnelle. Donc, tout était rassemblé dans cette, dans cette loi qui a été votée dans la pré-première guerre mondiale. Et justement, ce terme de propagande anticonceptionnelle, il est évidemment central. Euh, puisque il est compliqué et difficile de parler publiquement euh, du contrôle des naissances de la contraception de l'avortement et du coup ce qui va nous intéresser pour entrer dans ce parcours c'est de savoir pourquoi et comment on peut défendre l'accès au contrôle des naissances dans ce contexte à la télévision qui n'est pas évidemment dans les années 50 connue pour être à la pointe euh, du, euh, de, de la de la modernité qui est encore très contrôlée par le pouvoir politique. C'est plutôt justement la presse d'opposition qui joue un rôle de contre-pouvoir. Et pourtant, comme l'a dit Géraldine, on entend des choses, on voit des choses. Et c'est ce qui va nous intéresser dans ce premier temps. Je vous propose de commencer d'emblée ce parcours. Voilà Là, ce premier, euh, euh, ces premiers extraits qui nous plongent au cœur des années 50 et 60 et qui nous font voyager donc, de cette première prise de parole en 1956 jusqu'à euh, euh, la veille du vote de la loi Neuwirth sur la libéralisation de la contraception, libéralisation certes limitée mais réelle. Et donc, cette première séquence, je l'ai intitulée Parler d'un tabou. Vous avez sans doute remarqué que le terme tabou revient à plusieurs reprises dans la bouche des différents acteurs et actrices. Et effectivement, par définition, le tabou, c'est ce sur quoi on fait silence par crainte ou, ou pudeur. Et pourtant, tout <coughs> euh, ce que nous montrent tous ces extraits, c'est qu'il n'y a pas de, véritablement de tabou, hein, qu'on en parle euh, de façon plus ou moins euh, euh, franche ou détournée. Euh alors pourquoi commencer en 1955-56 Tout simplement parce que une des personnes que l'on voit à l'écran, Marie-Andrée lagroix vellet a joué un rôle important dans la construction d'un débat autour du contrôle des naissances, en prenant la parole en 1955 en tant que gynécologue. Euh, euh, face à l'Académie des sciences morales et politiques où elle défendait en tant que gynécologue euh, la nécessité de changer euh, la loi de 1920, notamment dans son volet contra contraceptif, pour permettre la diffusion des moyens de contraception modernes, hein, c'était le terme employé à l'époque, c'est-à-dire à ce moment-là surtout les diaphragmes. Et les spermicides, afin de lutter contre l'avortement, et elle revendiquait donc ce rôle en tant que, en tant que médecin, ce qui a permis d'ouvrir un, un vaste débat qui a été relayé par d'autres personnalités, notamment des journalistes. Et on le voit avec le premier extrait de François Giroud, que, que l'on entend en premier, et qui est évidemment une de ces figures qui a contribué à construire ce, ce débat. Elle est cofondatrice et co-rédactrice en chef de l'Express donc cet organe de contre-propagande dans le contexte de la guerre d'Algérie. Et elle a ouvert très largement les pages de son news magazine au débat sur le contrôle des naissances. Elle a même personnellement pris la plume pour s'élever contre ce qu'elle appelle... Je la cite, le drame inutile de ces avortements qui atteignent donc la vie et la santé des femmes. Et donc elle profite de cette, de cette émission télévisée, de ce magazine consacré aux femmes et à leurs conditions en 1956. Pour évoquer ce problème qui lui tient à cœur. C'est une émission très originale dans sa forme. Là, on en voit qu'un extrait où on a toute une réflexion sur sur la condition des femmes en 1956 et sur les périls de cette condition. Donc, il y a vraiment tout un passage sur la prostitution, notamment. Et puis, donc, ça se termine sur cette question de l'avortement. Donc, euh, l'idée, c'est de dire que voilà, les, les, les femmes sont à la croisée des chemins entre euh, libération, il y a tout un passage sur les suffragettes, par exemple, et, euh, et péril euh, encouru de cette libération. Et donc, elle a une dizaine de minutes à la fin de l'émission pour s'exprimer face caméra, euh, dans un ton très grave sur cette question de, de, de l'avortement clandestin. Et elle va dérouler tous les arguments. Euh, que l'on retrouve euh, de, de chez les défenseurs de, de la contraception à ce moment-là. Donc le fait que ce sont principalement des femmes mariées qui ont recours à l'avortement, euh, le fait qu'elles le font souvent pour, euh, parce qu'elles n'ont pas les conditions de logement euh, adéquates, elle va s'appuyer sur des chiffres. D'ailleurs, on la voit entourée de papier, donc elle, elle, elle appuie son, son discours de, de chiffres, qui est un, une des manières hein, d'apparaître de, sérieux tout au long de cette période. Elle va parler de la méthode gino, donc des températures qui est autorisée par l'Église, de l'enjeu démographique, des conséquences terribles pour la santé des femmes. Donc, elle, elle va vraiment soulever tous les enjeux que l'on trouve débattus dans cette, cette presse de, de gauche au même moment. Euh, elle euh, d'ailleurs fait euh, référence euh, alors, à demi-mot à, à un ouvrage qui a joué un rôle important, qui est l'ouvrage du journaliste Jacques de Rogy, qui a fait une très grande enquête sur ces avortements du samedi soir, euh, qui, qui est publié donc, en feu, sous, sous forme de feuilleton dans, dans le journal Libération, et qui euh, va être ensuite publié sous forme d'ouvrage euh, sous le titre Des enfants malgré nous. Euh, donc voilà, elle, elle fait partie de, de, cette, de, de ces journalistes, de ces, de ces personnalités qui vont soutenir le débat sur le contrôle des naissances. Et ce que, que l'on voit, c'est que pour parler de cette question, donc, il faut avoir d'une part un ton grave, ou alors euh, il faut le faire de façon détournée. -ce on, le voit, euh, on le voit très bien dans le deuxième extrait sur euh, euh, le, cette fiction. Qui parle d'avortement de, à demi-mot. On sait très bien de quoi euh, il est question, hein, d'une grossesse non désirée. On sait très bien qu'il est question d'une faiseuse d'ange. Le terme employé, c'est bonne femme. Euh, mais euh, évidemment, le mot n'est pas employé. Euh, c'est une sorte de faux semblant. Tout le monde sait de quoi on parle. Tout le monde est confronté à ce problème. Mais euh, on n'en parle que par évocation. Là c'est donc le milieu des années 50 et on voit qu'il y a un tournant qui s'opère au début des années 60 avec ce fameux débat qui est ouvert euh, avec euh, donc, euh, une émission où le, le public joue un rôle très important. C'est la fameuse émission où on voit Marie-Andrée Lagroix-Velallée, qui est invitée avec d'autres experts euh, à répondre aux questions du public. Et ces questions du public, elles sont. Euh, voilà, c'est un dispositif très particulier qui est mis en place à ce moment-là. C'est le fameux standard SVP où euh, donc, le, le journaliste euh, présente euh, donc, la possibilité d'appeler le standard pour poser des questions directement euh, aux experts, donc un, un, une relation directe entre la télévision et son public qui permet d'une certaine manière de justifier de parler de la télévision une nouvelle fois, euh, avec cette demande, cette, euh, cette envie, ce, ce besoin d'information du public. Et puis deuxième... Euh, 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 façon d'en parler, c'est d'avoir des experts euh, qui, euh, qui vont répondre aux questions et qui, font, qui mettent tout leur, leur sérieux dans la balance. Donc il y a évidemment Marie-André lagrois et qui est euh, gynécologue, mais il y a aussi un homme d'Église, par exemple, et un démographe qui vont débattre de cette question du contrôle des naissances. Euh, donc cette, euh, cette émission, euh, elle permet de dire euh, que le public est très intéressé par cette question. Parce que euh, le, le présentateur répète à plusieurs reprises que le standard est pris d'assaut et qu'il y a énormément de, de questions. Euh, petite, euh, petite digression. Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, la, la PDG de la, de la société SVP, qui s'occupe donc de mettre en relation euh, le public et la télévision, euh, s'appelle Yvonne Dornes. Il se trouve qu'elle est euh, militante au, au, à, à la, dans l'association de Marie-André lagruelle vellallet donc l'association qu'elle a fondée, la Maternité Heureuse, en 1956, et qui va devenir le mouvement français pour le planning familial. Et donc, on peut imaginer que le fait que ce dispositif avec SVP, qui est mis en place pour la première fois à la télévision autour de cette question de, du contrôle des naissances, a peut-être un lien avec cette implication d'Yvonne Dornès. Euh, sur cette question du contrôle des naissances, voilà. Et ce qui est intéressant aussi avec l'intervention de Marie André lagrois vallet c'est qu'elle va justifier quelque chose qui relève du Paris en 1960. Qui est de dire qu'il y a une différence entre la propagande anticonceptionnelle et l'information générale, et c'est vraiment euh, tout la, le positionnement du planning familial, de, de vouloir euh, voilà informer les membres de l'association, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'association va connaître de très nombreuses adhésions. Euh, parce que c'est la possibilité d'informer les membres de euh, de, de l'association sur les, les contraceptifs modernes qui ne relève pas hein, de la propagande anticonceptionnelle selon elle mais euh, de, euh, de l'information générale et c'est le cas aussi de cette médiatisation euh, à partir de ce moment là et euh, effectivement euh, c'est cet argument là qui va permettre l'ouverture des premiers centres de planning familial en 1961 à Grenoble, puis à Paris. Là, on voit le, le rôle de la télévision de plusieurs manières. Euh, le premier, c'est que euh, la télévision va vraiment montrer les lieux. Euh, que ce soit à Paris ou à Grenoble, on a vraiment des plans sur la rue, on a des plans sur la plaque, et on peut s'imaginer que c'est une, une façon indirecte. Euh, de permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de, de, de pouvoir y aller en fait de savoir comment y aller, euh, de pouvoir retrouver l'endroit. Par ailleurs bon évidemment euh, c'est aussi pour euh, illustrer le discours euh, euh, qui voie off et on remarque cette association qui est faite qui est très importante entre modernité du lieu à grenoble du quartier on est dans un quartier moderne qui vient de sortir de terre et modernité, de la proposition du planning familial sur les, sur les contraceptifs euh, euh, dits modernes donc euh, que j'ai déjà évoqués diaphragme spermicide et bientôt pilule voilà et c'est aussi cette modernité là qui est mise en avant par les hommes politiques lorsqu'ils se saisissent de la question à partir de 1965 sous la pression hein, de, de, de ce mouvement français pour le planning familial qui prend de l'ampleur euh, et qui euh, joue un, un rôle important de lobby aussi euh, sur, les, sur les hommes politiques. Euh, et donc François Mitterrand est le premier à, à prendre position lors de la campagne présidentielle de, de, de 1965, la première au suffrage universel direct. Et euh, il choisit donc Benoît de Groot pour... Euh, euh, mener avec lui euh, le dialogue euh, sur la, la question des femmes et la place des femmes euh, en 1965 dans la société française. Et donc, elle, elle lui pose cette question sur le contrôle des naissances et sur l'enjeu électoral. Et quoi qu'il en dise, il y a un énorme enjeu électoral, puisque les femmes votent davantage à droite euh, depuis qu'elles ont obtenu le droit de vote. Et donc, il s'agit... Euh, bien euh, avec cette question de la contraception, d'attirer euh, ce vote féminin qui, euh, qui ne permettra pas, en 1965, à euh, François Mitterrand d'être élu, euh, mais qui permet d'ouvrir un débat politique qui va être ensuite saisi euh, par ce parlementaire euh, gaulliste qui est Lucien Neuviert qui va se faire ce, ce, ce défenseur de, de la contraception euh, pour les raisons qu'il évoque hein, pour lutter contre l'avortement et pour être en adéquation avec la, la modernisation de la société et donc on se ter, on termine ces, cette pre, ce première cette première séquence sur deux voix d'hommes qui parlent pour les femmes euh, et, qui, euh, et qui deux hommes qui souhaitent donner cette, cette liberté aux femmes de, de de choisir la taille de leur famille. Vous voyez que le discours, il est très familialiste. Hein. Il est à la fois sur la libéralisation de la contraception, mais il est très familialiste. Et c'est pas un hasard que ce soit deux voix d'hommes qui terminent cette, cette première extrait, parce que euh, les femmes sont largement absentes de, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, pour rappel, elles sont dix à l'Assemblée nationale en 1966-67, au moment où on discute de la loi sur la contraception, 2%, et elles sont 5% au Sénat, 1,8%. Et encore, elles sont surreprésentées sur ces questions-là, on les voit dans la commission parlementaire, euh, mais euh, elles sont surreprésentées dans le débat, mais elles sont tellement peu nombreuses que de toute façon, on n'entend pas vraiment leur voix. Et ce débat sur la contraception en 1967, 66-67, c'est le rendez-vous manqué de la libération des femmes. Et c'est véritablement après en 1967 et surtout en 1968 que euh, la question de l'avortement est transformée, notam notamment du point de vue du genre. C'est euh, ce second moment d'extrait que nous allons bientôt regarder. Alors voilà, on, on a fait ce, ce parcours-là qui va de, de 1969 à, à évidemment la veille du vote de, 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 de la loi Veille. J'ai énormément de choses à vous dire et je vois que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je, je vais essayer de ne pas me perdre dans, dans, dans mes papiers. Mais ce que je voulais vous, vous montrer, c'est comment en fait les... Les, les mobilisations féministes transforment le débat. On, on s'ouvre en 1969 le débat sur l'élargissement de, de, de l'avortement thérapeutique avec des personnalités comme Anne-Marie Dourlan-Rollier, qui est une juriste, qui a beaucoup milité au mouvement français pour le planning familial et dans la continuité de cette revendication de euh, la contraception, euh, certains membres du planning vont euh, for former l'ANEA, l'Association nationale d'études de l'avortement, pour pousser justement à, à ouvrir l'avortement thérapeutique à d'autres cas que celui qui était autorisé, qui était donc euh, le, le cas où la vie, de la, la mort de la mère était en danger. Euh, donc le débat va commencer à s'ouvrir, il va y avoir des oppositions qui vont euh, immédiatement... Euh, se lever hein, pour euh, maintenir la loi répressive sur l'avortement. Et en particulier, c'est dès 1970 que l'association Laisser les vivre euh, est euh, créée pour justement euh, prôner le statu le statut quo et s'élever euh, en particulier contre l'idée qu'on pourrait avorter dans les cas où euh, le fœtus serait porteur de, de maladies génétiques. Et puis, le MLF va complètement transformer la question avec le manifeste des 343 qui n'est pas évoqué. Euh, qui n'est pas évoqué euh, euh, à la télévision ou, ou alors vraiment euh, dans, dans, un, dans des détours de, de phrases parce qu'on ne retrouve pas vraiment euh, comme un sujet central. Par contre, euh, voilà, la grande manifestation de novembre 1971 à l'initiative du mouvement Libération des femmes est euh, médiatisée, ainsi que évidemment les procès de Bobigny. Et la, 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 la défense mise en place par l'avocate Gisèle Alimi et le collectif d'avocates qui défendent donc cette très jeune femme Marie-Claire Chevalier et sa mère et les collègues de sa mère qui l'ont aidée à avorter. Donc euh, c'est cette très forte mobilisation que l'on que l'on perçoit et qui met à l'agenda, qui contribue à mettre à l'agenda politique puis gouvernemental puis parlementaire cette question de la libéralisation de l'avortement. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que du coup, on entend à la télévision ces, ces voix féministes, ces voix féministes radicales. On les entend, alors, dans les, la médiatisation des manifestations, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on ne leur donne pas directement la parole aux militantes féministes. Dans ce contexte-là, mais on les entend par, par les slogans qui sont scandés, par les chansons militantes à la sortie du procès et dans la manifestation, en lisant les, les, les revendications qu'il y a sur les pancartes. Donc, autant de, de, de façons de, de connaître la position du, du MLF. Et puis, la position du MLF, elle est aussi donnée par Delphine Seyrig, cette actrice qui a signé le manifeste des 343 femmes en 1971 déclarant avoir avorté, et qui est très engagée dans le mouvement de libération des femmes. Et le dispositif de cette émission, où on la voit hein, dire que l'avortement n'est pas une honte, hein, qui est un des positionnements euh, du, du mouvement de libération des femmes, euh, c'est euh, donc un dispositif où en fait, le débat... Il se situe ailleurs. Il y a deux invités principaux, c'est Lucien Neuvirth et Albert Nether, qui sont donc un parlementaire et un médecin, chef de clinique, face à des journalistes qui posent des questions sur la, la dimension morale de l'avortement. Et il y a un invité mystère, et cet invité mystère, c'est Delphine Serry, qui se situe dans une autre pièce. Et qui va donc poser ces questions. Et ça me paraît très représentatif de cet espace, ce petit espace qu'on laisse au MLF, c'est-à-dire euh, ce, ce, cette, cette euh, irruption très encadrée que, que l'on laisse. Euh, euh, apparaître, mais qui n'est pas le cœur du débat qui se situe ailleurs avec des experts et des expertes. Par contre, ce qui me semble intéressant dans cette période euh, sur la question des expertes et des experts, c'est que tout d'un coup, il y a de très nombreuses expertes. Et c'est quelque chose qui est revendiqué par la télévision et qui est sans aucun doute le résultat de cette mobilisation féministe qui a affirmé haut et fort que la question de l'avortement était une question qui concernait avant tout les femmes et la libre disposition de leur corps. Et euh, ça se traduit par le fait qu'à la télévision, il va y avoir de plus en plus de femmes qui débattent, et notamment qui débattent entre elles. Et c'est euh, le, le cas de, de, de cette émission qui est euh, très originale et très représentative. Euh, Ces fameux euh, dossiers de l'écran euh, du 27 mars 1973, où le présentateur euh, prend le temps de préciser la formule au, au début de l'émission en disant je cite, ce soir, c'est à des femmes que nous donnons la parole et uniquement à des femmes. Cela provoque de nombreux appels au standard SVP, d'hommes vexés ou au contraire de femmes qui approuvent, car il cite hein, ces femmes qui appellent, ce sont toujours les hommes qui décident des lois qui concernent les femmes. Et il précise qu'il nous a paru qu'il était intéressant de vous laisser débattre entre vous et il nous a paru à nous hommes que c'était un problème tout de même essentiellement féminin. Et cette idée-là, elle ne va pas du tout de soi. Elle a été construite par la manière dont le, dont le MLF a, a exposé le débat et l'a transformé. Et donc, on voit ce plateau où on a Simone Yves, qui est à la tête du mouvement français pour le planning familial à ce moment-là, Gisèle Halimi, et puis Joël Brunery, qui est très impliquée dans le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception, qui s'oppose à trois femmes qui sont pour le maintien du statu quo légal, donc une médecin, une femme médecin et euh, une... Une euh, représentante d'association, euh, une association euh, humanévité qui, euh, qui lutte contre la libéralisation d'avortement, et une mère de famille qui, euh, qui, qui est experte en tant que mère de famille. Et donc on voit comment l'expertise de genre euh, s'ajoute euh, finalement à l'expertise technique qu'elles ont chacune. Et d'ailleurs, Gédé à la limite, dans cette émission, est amenée à parler de ses propres avortements et euh, euh, en fait euh, un argument dans, dans ce qu'elle défend. Donc on a, on a choisi de, de laisser de longs extraits pour voir comment en fait ce débat se, se déploie et puis on, voilà un débat qui est extrêmement polarisé et la télévision là, joue un rôle important pour mettre en scène cette polarisation. Il y a deux techniques pour mettre en scène cette polarisation pardon, ce sont les plateaux de débat euh, avec euh, euh, voilà, les pour et les contre d'un côté de l'autre de la table. Euh, et euh, toutes les formules sont expérimentées les pour, les contre de l'autre côté de la table les, les, les pour et contre face euh, au public les pour et contre face à des journalistes donc il y a vraiment cette idée de, de société partagée euh, euh, voilà, divisée sur la question et on termine sur le, ce, ce, de, ce de, second voyage sur euh, ce, ce, ce second extrait sur les, le fameux micro-trottoir à Briard petite ville du Loiret qui a été choisi et c'est dit explicitement, toute l'émission, c'est une émission de, de reportage qui va donc enquêter sur l'avortement en 1974, avant même que Valérie Giscard d'Estaing ait été, été élu. Le débat est déjà largement avancé. Donc il va à Briard, cette petite ville qui est représentative de la France parce qu'elle vote toujours comme vote l'ensemble des français donc c'est la raison pour laquelle elle est choisie c'est ce que dit la journaliste et elle va enquêter donc elle va aller auprès de toutes les professions de brillard elle va aller voir les euh, cette journaliste, elle va aller, elle va aller voir les euh, donc les, les commerçants les bourgeois les ouvriers elle va leur poser la question et elle va faire ce fameux micro-trottoir euh, lors du, du marché et elle conclut en disant bah finalement il n'y a pas vraiment d'opinion dominante. Euh, sur la question de l'avortement, la société reste hésitante, euh, divisée et c'est cet état-là du débat euh, dont hérite finalement euh, euh, Simone Veil lorsqu'elle est nommée ministre de la Santé évidemment c'est pas un hasard si c'est une femme qui a été choisie par Valérie Giscard d'Estaing euh, parce qu'on a l'impression à ce moment-là que c'est seulement une femme qui peut prendre en charge ce débat qui concerne avant tout les femmes et euh, on voit très bien comment l'extrait de ce discours montre qu'elle est très nuancée qu'elle essaye de, de se situer dans un entre-deux parce que elle hérite de ce débat qui a déjà divisé l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu un premier débat en 73 qui n'a pas abouti. Avec la même Assemblée nationale, elle va réussir donc à faire, à faire voter cette loi, cette loi qui divise profondément les Français, comme, comme on, le, on le voit. Euh, pour terminer, je voudrais juste mettre l'accent sur un paradoxe. L'avortement, on en parle beaucoup, mais on ne le voit pas. On ne voit absolument pas cette l'opération elle-même alors même que on le voit notamment cette fameuse méthode Carman qui est évoquée d'aspiration qui est mise en place qui est employée par un certain nombre de militantes et de militants pour l'avortement libre à partir de 1972-73 on la voit dans les journaux militants photographiés illustrée par les différents instruments on la voit dans des films comme le film Histoire d'a qui a été réalisée par le groupe Information Santé, et qui devait sortir en salle, et qui a été interdit au dernier moment, mais qui circule beaucoup. Euh, les bobines circulent dans les, dans les circuits militants. Et on la voit même, cette méthode d'avortement, euh, par un reportage photographique euh, absolument hallucinant euh, de, de, dans le magazine Marie-Claire en 1974, où on voit toutes les étapes de l'avortement, euh, donc euh, en photographier en gros plan, avec cette fameuse méthode Karman. Mais on ne le voit pas à la télévision. Et d'ailleurs, dès qu'on parle de l'opération elle-même, il euh, y a des techniques qui sont mises en place. Et notamment, c'est la fameuse technique du visage euh, caché ou dans l'ombre, parce qu'on parle de quelque chose qui est interdit par la loi. Et donc, c'est une façon de mettre en scène cette, cette illégalité qui pourtant euh, est utilisée euh, par les militantes et les militants pour pour dire que la loi est obsolète et qu'il faut la, la changer. Et donc, on va euh, terminer ce parcours maintenant avec une dernière séquence qui s'ouvre après la légalisation, donc de 1975, et qui nous fait aller jusqu'à nos jours. Voilà, donc on termine sur une note un peu polémique, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir en débattre. Euh, mais donc cette, ce, ce dernier euh, parcours, euh, il est intitulé Un, un héritage fragile, parce qu'il me semble que ce que montrent les différents extraits, c'est cette tension entre... Euh, un, une, une réalité légale, un, un, approfondissement, un approfondissement du droit et puis euh, diverses formes de, de contestation ou de, de résistance et la, la question évidemment centrale de l'application euh, lorsque la, la, le droit euh, évolue. Euh, voilà, et donc ce que l'on voit, c'est que les, les, les féministes, les différents groupes, hein, euh, le mouvement français pour le planning familial, mais aussi les organisations, les, les collectifs féministes restent mobilisés euh, dès 1975 hein, sur la question de l'application, avec euh, déjà un premier enjeu qui est que la loi n'est votée en 1975 que pour cinq ans. Euh, C'était une des concessions de, de Simone Veil, notamment aux, aux, aux inquiétudes démographiques. Euh, il s'agissait de surveiller en fait le, le nombre d'avortements, euh, de, de produire des chiffres et de voir si ça ne faisait pas s'effondrer la natalité, et de donc rediscuter au bout de cinq ans euh, de, de cette loi. Et on voit cette très forte mobilisation, euh, la plus grande de la décennie euh, 70, cette très grande manifestation de 1979 qui me semble très intéressante aussi parce que elle montre à la fois une forme d'union féministe hein, on voit euh, donc différents collectifs féministes euh, s'exprimer on voit cette, cette tête de, de, de la manifestation avec euh, Huguette Bouchardot notamment Simonif encore et puis Maya Surdut, donc des, des personnalités qui représentent aussi euh, les, les alliances avec les, les groupes femmes des, des, des différents des syndicats, des partis politiques euh, qui s'impliquent sur cette question 79, et puis des représentantes euh, du collectif euh, psychanalyse des politiques. Et en réalité, il y a eu pas mal de tensions. Autour de cette, de cette manifestation, de désaccords féministes. Ce que disent certaines militantes, c'est qu'on ne veut pas de loi. C'est un peu dissonant avec l'idée qu'on veut reconduire la loi en 79. Donc, on voit qu'il y, y a quand même, on, on écoute très attentivement des, voilà, des, des dissonances. Mais en réalité, ce que l'on voit dans le reportage, c'est cette très forte marée féministe autour de cette question de l'avortement que l'on retrouve aussi en 1995, cette mobilisation très importante. Sur, sur cette question de l'avortement qui devient le fil rouge des mobilisations féministes jusqu'à jusqu nos jours en France. Et euh, d'un point de vue télévisuel, euh, il y a vraiment une transformation euh, qui s'opère dans ce dernier temps. C'est assez frappant. Euh, C'est qu'à euh, partir de la légalisation, visuellement, l'avortement appartient au monde médical. On parle d'IVG, donc d'interruption volontaire de grossesse euh, et moins d'avortement. On y voit des couloirs d'hôpitaux, des bouses blanches, des brancards, des tables d'examen gynécologique. Tout d'un coup, on rentre dans cet univers médical qui était aussi l'objectif de la loi, c'est-à-dire l'encadrer légalement et ne l'autoriser que dans ce contexte médical. Et puis euh, ce qui est frappant dans cette dernière période, on aurait pu chercher dans des extraits de fiction par exemple mais ça, ça aurait été sans doute un peu plus fastidieux mais c'est ce qui est frappant c'est l'omniprésence des sujets de JT et effectivement, euh, à partir de, de, de la légalisation, l'avortement est un sujet télévisé à partir du moment où il fait l'actualité. On n'est plus dans ces grands débats qui laissaient euh, voilà, un temps de parole très important au, au pour et au contre. On pouvait rentrer dans le fond de la question, notamment euh, morale, politique. On est dans des petits sujets euh, d'actualité. Et euh, l'avortement, en fait, euh, devient un sujet d'actualité à plusieurs occasions. Il fait le 20h euh, lorsqu'il y a des évolutions législatives, d'abord. Euh, donc les différentes étapes de l'affirmation d'un droit en France ou à l'étranger euh, sont suivies par, euh, par les le JT. Donc le vote définitif de la loi Veil en 1979, le remboursement par la Sécurité sociale en 1982, défendu par euh, Yvette Roudy, euh, qu'on voit à l'occasion de, de la manifestation de 1995, l'allongement des délais euh, de 10 à 12 semaines en 2001, euh, le, le délit d'entrave à l'IVG en 1993, son extension euh, à l'information, y compris en ligne, en 2017. Donc, autant d'étapes, la suppression évidemment de l'idée de détresse en 2014, euh, etc., etc. Donc, euh, ça, ce sont des occasions en fait de, 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 de faire l'actualité. Et puis, euh, il y a aussi les anniversaires qui sont importants, notamment. Euh, les, 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 tous les dix ans de, de la loi Veil, qui donne l'occasion aux journalistes justement euh, d'aller enquêter sur l'écart entre la loi votée et la réalité vécue. Et on voit ainsi euh, l'évolution du style journalistique hein. en 1975 sur la question de l'application. On a la parole qui est donnée aux femmes ordinaires face caméra. Dans un groupe de parole du MLAC, et puis dans les années 90-2000, on a des reportages qui mettent en scène l'enquête elle-même, le souci de dévoiler les dessous de la réalité. Et puis donc des journalistes qui s'engagent euh, dans la manière de construire leur sujet, pour montrer la permanence de la honte sociale autour de la question de l'avortement, suggérée par les visages dissimulés, les femmes qui souhaitent garder l'anonymat. Et puis donc toutes ces, ces démonstrations de difficultés qui persistent à pouvoir jouir de ce droit, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, les lenteurs administratives, les défaillances de l'hôpital, et l'avortement est vraiment un symptôme aussi. De, de, des, des, des problèmes des hôpitaux et des, du, du, des, notamment des questions budgétaires qui sont criantes sur, sur cette question de l'avortement. Et enfin, ce qui fait l'actualité, ce sont aussi les mobilisations pour et contre la liberté de l'avortement. Et donc la, la télévision va vraiment mettre en scène ce double rapport de force euh, féministe face à l'État qui tente d'obtenir donc davantage de, de droits ou tout simplement la, la jouissance d'un droit euh, qui lutte donc, contre ces questions de fermeture des centres d'IVG, par exemple, et puis cette opposition qui est ritualisée euh, à la télévision entre euh, les, euh, ce que l'on appelle et ce que les journalistes appellent les pro-choix et les pro-vie, euh, notamment avec toute la médiatisation euh, des actions euh, anti-avortement, donc les fameux commandos qui ont suscité euh, à la suite de leurs actions dans les années 80 euh, la, la loi de 93 sur euh, donc, euh, le délit d'entrave à l'IVG. Euh, on pense évidemment à Xavier d'Or et euh, à SOS Tout-Petit à partir de 86, mais aussi donc à la trêve de Dieu. Euh, on voit donc le, le militant Thierry Lefebvre dans, dans un des reportages à Bordeaux. Donc, des, des groupes qui vont essayer de s'opposer physiquement à la, à la réalisation des avortements dans les hôpitaux, en s'enchaînant sur place, en occupant les locaux. Et donc, on voit se mettre en place toute une, une stratégie euh, de résistance à, à la légalisation qui reprend un certain nombre de codes euh, des mobilisations auparavant. Donc, euh, ces, actions, euh, ces actions directes, par exemple, euh, c'est euh, l'utilisation du registre. Euh, de l'émotion, et puis, euh, c'est flagrant dans le dernier reportage, euh, l'utilisation des manifestations festives, euh, des, euh, des slogans euh, choc le détournement de certains slogans féministes, l'utilisation aussi euh, dans les années euh, 90 des procès euh, pour euh, donc euh, défendre leurs idées. Euh, tout ça euh, est, est renouvelé euh, au fil des. Des, des renouveaux militants aussi, euh, anti-avortement. Donc, euh, laisser les vivre, euh, on, on avait vu... Euh donc laisser les vivre dans les années 70, on voit ces commandos dans les années 80-90 et aujourd'hui on voit cette renouveau illustré dans le documentaire avec cette question de, la, de ces jeunes militantes et militants dans le sillage des mobilisations de la Manif pour tous qui s'empare de cette question de l'avortement qui est aussi très fédératrice pour, pour, ces, pour ces mobilisations. Euh, et d'ailleurs, il va y avoir euh, voilà de, de nouveaux travaux, euh, et donc on a la chance d'avoir parmi nous Salomé Edin qui travaille sur la communication des anti avortements, et qui pourra nous dire beaucoup de, de choses sur ces. Sur ces, ces usages de la communication. Mais ce que l'on voit, pour terminer, et pas être trop longue, c'est la permanence de ces rapports de force qui euh, s'expriment avec la télévision comme arbitre. Mais on voit, euh, ça c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est que les journalistes, et notamment les journalistes femmes, euh, depuis les années 70, euh, s'engagent, ont un certain point de vue, et euh, donc viennent contredire, par exemple, les arguments des anti-avortements se placent du côté. Des mobilisations pour le, la conservation et le renforcement de, de ce droit. Voilà. Donc, on peut passer maintenant, je crois, à, à un petit épisode de questions-réponses, de, de réactions. J'imagine que vous en avez plein, et je suis, je serai ravie de, de les entendre. Je vous fais passer un micro parce qu'on s'entendra mieux en plus avec les masques. Euh, bonjour. Euh, en fait, je voulais juste savoir si dans vos recherches, vous aviez croisé euh, une autre histoire euh, euh, qui s'est passée sur l'île de La Réunion, euh, où justement on a avorté euh, des femmes euh, de force. Et enfin, voilà, je voulais juste savoir si vous aviez croisé cette histoire-là, parce qu'en voyant tout ça, ça me paraît encore plus euh, choquant, parce qu'à ce moment-là, en fait, l'avortement était interdit en France, et ils avortaient de force des femmes à la Réunion. Enfin, bon, voilà, C'est une histoire un peu... <laughs> oui, tout à fait, vous faites référence à, à des travaux récents qui, qui ont mis en avant ce, ce décalage de la politique démographique telle qu'elle était menée en métropole et telle qu'elle était menée notamment dans les Dom-Tom et à La Réunion. Et donc, effectivement, il y a le, ce cas d'un médecin qui pratiquait des, des avortements à, à l'insu des femmes. Donc, c'est une clinique et un médecin, mais qui est symptomatique, de, euh, du discours euh, général que l'on portait sur euh, la démographie euh, dans, euh, dans, ces, dans ces territoires français et euh, de, de ce décalage flagrant entre une politique euh, très nataliste pour la métropole et au contraire une, une volonté de réduire la population qui a euh, donc permis euh, justement la, la propagande anticonceptionnelle, la circulation des contraceptifs, euh, donc euh, avant euh, qu'elle soit légalisée. Euh, euh, et, et qui a toujours eu et, et dans les, dans la loi, il y a toujours eu effectivement d'une spécificité pour les dom-toms Et donc on n'a pas du tout rencontré ça dans, dans nos recherches. Hein. peut-être que si on, on creusait, on pourrait évoquer des choses, mais ça m'étonnerait parce que c était, c était, ça a été couvert par euh, par plutôt la presse militante de gauche à ce moment là et pas énormément. C'est justement ça le, le cœur de la question. Euh, je vous pose cette question parce que je commence un peu à mélanger les, les lois. Euh, J'avais suivi une conférence qui était faite par des juristes à l'île de la Cité il y a quelques années, qui parlait euh, du sujet. L'une d'entre elles avait évoqué la date de 2017 qui concernait la, dé... la dépénalisation de l'avortement, alors que la loi veille, c'est la légalisation. Euh, pour un motif non thérapeutique. Est-ce que vous confirmez ça euh, Alors, c'est pas pour un motif euh, thérapeutique. Hein. La loi Veil, elle autorise, euh, alors, elle autorise la pratique des avortements dans, des, euh, dans les dix premières semaines de la grossesse pour les femmes en situation de détresse, à condition qu'elles suivent tout un parcours avec. Euh, donc euh, des, des en, un entretien euh, qui essaie de, les, de, les, voilà, de leur proposer d'autres solutions, etc. Mais euh, justement, ce, qu ce qui va faire que la loi Veille va être acceptée par la gauche au Parlement, c'est elle laisse la possibilité aux femmes... De, euh, de demander cet IVG et de ne pas avoir à passer devant des commissions, ce qui était étudié auparavant. Donc euh, c'est une première étape, cette loi Veil, mais il n'y a pas de remboursement par la Sécurité sociale, ça vient en 82. Et puis, ça, comme le dit hein, Simone Veil dans son discours, euh, l'idée, euh, c'est euh, d'une certaine tolérance, plus que l'affirmation d'un droit, euh, dans des situations de détresse. Et donc c'est effectivement... Moi, ce qui me semble intéressant avec cette loi veille, c'est qu'en réalité, c'est un véritable palimpseste où, se, en fait, s'accumulent euh, à différentes époques euh, des, des dispositifs pour euh, renforcer cette loi qui, au départ, est quand même très restrictive. Et donc, on parle de la loi veille, mais en réalité, la, le... Le, le système légal sur l'avortement euh, est une pluralité euh, de, de lois qui se sont additionnées les unes après les autres euh, depuis euh, 1974. Euh, elle semblait dire qu'en fait, en 2017, c'était vraiment la loi qui dépénalisait euh, l'avortement. L'Assemblée, tout le monde a été surpris, en fait, hein, en, euh... Ah oui, c'est ça. Est ce que, merci Salomé qui me souffle. Euh, qui, 2017, elle me dit que c'est effectivement l'extension le, du délit d'entrave euh, au numérique. en fait. Et donc euh, là, c'était important parce que c'était l'idée qu'on euh, pouvait détourner certaines femmes qui recherchaient des informations sur, euh, sur la possibilité d'avorter euh, par ces sites qui étaient les premiers qui arrivaient sur Google dans les recherches qui étaient en réalité des sites qui visaient à dissuader les femmes d'avorter. Donc je pense que c'est une vision, une vision un peu réductrice de dire que c'est en 2017 que tout a changé. Au contraire, pour moi, c'est vraiment une accumulation et l'action de, 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 différents, de différents mouvements et de différents relais dans les, les, les gouvernements qui ont visé à approfondir la, la, loi, la première loi qui effectivement était très restrictive. Euh, oui, je me permets juste de répondre par rapport à la question sur la Réunion. Apparemment, il y a quelques documentaires qui ont été diffusés sur Réunion Première sur la question justement de l'encouragement à l'avortement et la contraception dans les DOM, alors qu'il était interdit en France métropolitaine. Voilà. Vous voulez dire récemment Alors là, c'est une rediffusion en 2019, il faudrait explorer. <rire> non, <rire> mais je pense qu'effectivement, vous avez raison, il y a eu des, une médiatisation au moment de la, de la sortie en particulier du livre de Françoise Vergès. Euh, et voilà, et c'est vrai que les travaux euh, de Myriam Paris ont joué un rôle important aussi pour connaître euh, cette situation des femmes à la Réunion. Mais euh, disons que je pensais que la question portait sur euh, la médiatisation pendant euh, les faits, c'est-à-dire dans les années 70. Et là, je pense que euh, ça serait difficile de trouver. Mais peut-être que je me trompe. Mais ouais, je, je pose une question parce que j'ai le micro. Il me semble qu'il y a une autre occasion euh, qui est de parler de l'avortement régulière, je veux dire, outre les anniversaires de la loi, qui est l'actualité dans les pays à l'étranger, en fait. Quand il y a un pays qui modifie sa loi en faveur ou au contraire en répression de l'avortement. Et est-ce que. Par le passé, ça n'a pas été aussi un biais qui permettait de parler de la. Parce que là, on a eu des... la médiation du débat en France. Est-ce que par le passé, les journalistes pouvaient déjà s'autoriser à évoquer le sujet en parlant de pays qui seraient plus avancés, par exemple, sur le sujet que la France Parce que François Mitterrand évoque les pays avancés qui commencent à prendre une législation favorable à l'avortement. Et donc, voilà, je me demandais quels étaient ces pays avancés à l'époque. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Et est-ce que, est-ce que, des journalistes parlent parfois de législations plus avancées que la France Oui, merci pour cette excellente question, parce que c'est quelque chose qu'on a finalement laissé de côté, alors qu'on avait au départ sélectionné des extraits sur la situation à l'étranger, qui est un argument central pour les, les défenseurs du contrôle des naissances et puis de la libéralisation de l'avortement la, de, de pour deux raisons. Pour le contrôle des naissances, c'est l'idée de dire qu'effectivement il y a un retard français sur ces questions, et qui est employé notamment par Marie-Andrée Lagroix-Velallée dans les débats. Donc on n'a pas gardé ces extraits-là, mais elle évoque la situation dans d'autres pays où on peut donc tout à fait légalement aller dans des centres d'orthogénie pour obtenir des contraceptifs, en particulier les pays du nord de l'Europe, mais aussi l'Angleterre ou la Hollande. Par exemple, voilà, ce sont des cas qui sont qui sont cités, euh, et, euh, et donc c'est euh, voilà, c'est un argument pour accentuer cette idée de modernisation euh, et du retard français. Euh, en ce qui concerne l'avortement, c'est aussi un sujet euh, important parce que justement les les, les femmes euh, organisent tout un tout un réseau de d'avortement à l'étranger. C'est-à-dire ce, ce qui se met en place à partir du moment où les, les législations euh, évoluent, euh, c'est que les femmes euh, vont à l'étranger pour avorter là où, où la, la législation le permet. Donc euh, dans les années 70, c'est évidemment euh, euh, l'Angleterre, euh, elles vont à, en particulier à Londres, mais aussi euh, en Hollande, c'est ce qu'on voit dans le... Euh, dans le film L'une chante et l'autre pas, Nianez Varda, euh, qui, euh, qui met en scène tout un voyage euh, donc, à Amsterdam. Donc il euh, y, y a cette question-là qui se pose. Hein. C'est qu'effectivement, la, la, la légalisation, elle est aussi dénoncée par le fait que les, les, les femmes euh, des classes supérieures peuvent aller dans d'autres pays euh, avorter. Les femmes des classes populaires ne le peuvent pas, elles n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est aussi euh, quelque chose qui est mis en place par les, 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 les militantes et les militants. Euh, de l'avortement libre, qui vont organiser des voyages militants et gratuits donc vers les pays limitrophes qui autorisent l'avortement. Donc c'est très important et c'est quelque chose que l'on voit encore dans les reportages aujourd'hui sur la nécessité, lorsqu'on dépasse les délais, parce que la question des délais c'est une question centrale des mobilisations féministes aujourd'hui, d'aller avorter dans des pays voisins qui ont des délais plus, plus longs. Et voilà. Et par ailleurs, c'est tout à fait vrai aussi que la, la situation à l'étranger sert souvent de miroir pour évoquer la question en France. Donc, les pays où il y a l'impression d'un certain recul de la loi, donc comme une menace sur ce droit, ou au contraire les pays où il y a un aboutissement qui est souvent présenté comme une fin heureuse de mobilisations longues qui ont eu lieu auparavant. Donc, merci pour cette question. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste donc à, à remercier Bibia Pavard pour cet exposé très ample, très ambitieux et en même temps très synthétique et très clair. Merci énormément pour cette soirée. Et donc, nous vous retrouvons Alina, Lina avec Amandine Gay le 8 novembre pour la prochaine séance de ce cycle. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.